Et bien salut tout le monde, ciao pour toi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ce sera la découverte de Oguru présente The House Why Too Many Zombies In It. Désolé pour mon anglais un peu éclaté. Du coup, ce jeu m'a été offert par les développeurs et Kemeler que je tenais à remercier encore une fois. Pour la présentation, il est sorti le 7 décembre 2021. Les développeurs c'est Star System Studio et l'éditeur Oguru Game. Pour le jeu, c'est du solo. Il n'y a que l'anglais de disponible et il est au prix de 3,29 €. Pour la description, c'est un jeu d'action de l'auteur du film d'horreur à succès Come True. Situé au cours d'une apocalypse zombie, il raconte l'histoire de Crash Bromwell qui a été choisi par Dieu pour sauver le monde. Malheureusement, on ne lui a pas dit non plus comment le faire. Du coup, voilà pour la présentation du jeu. On va faire play. Nouvelle. On est au level 0. Il n'y a pas de son par contre. Attendez. Attendez, attendez, attendez. Ok, c'est bon, j'ai mis du son. Flashlight. Oh yeah! Je vais mourir. Ils sont beaucoup. Oh là là. On prend le kit de soins. Ok, on a plusieurs levels pour le jeu. Comme vous pouvez le voir en bas, la barre rapide. Et il faut que je trouve des clés. Enfin, des cartes. Pour pouvoir m'en sortir. Oula, il y a un signe. Oh là là, lui c'est le boss, lui. Il y a un signe un peu diabolique là. Comme vous pouvez le voir. Ok. Il y a des caisses là. On va le faire. Ok. Ils disent pas combien j'ai de balles en fait. Peut-être que j'ai des balles infinies. Aïe aïe aïe. Oh là là, je l'ai pas vu. Ok, on a trouvé une carte. Ok, il nous en manque deux. On doit trouver des cartes comme ceci. Ok, let's go. Un kit de soins au cas où. Ça, je sais pas du tout c'est quoi qu'il a drop là. Ah non, c'est des os. Ok. Ok, ça doit être des parties de son corps. Je pense qu'on va faire le premier boss et en plus et ensuite on se laissera ici, les amis. Ok, la deuxième elle est ici. Je pense que j'utiliserai la grenade avec le boss. Faudra appuyer sur G. Ok, on a toute la vie. Là, c'est là où il y a le boss. C'est ça, si je me trompe pas. Ouais. Ouh là là, il me tire dessus. Ouh là, ok, ok. Je vois c'est quoi son pattern. Ici, on était venu.
là ils sont nombreux. Là. Let's go, on a eu la troisième. Allez, allez, je suis bloqué. Ok. On va aller se faire le boss tranquillement. Est-ce que je peux courir? Yes. Let's go, je peux courir. Allez, je suis bloqué. Ok, on va se calmer. C'est parti. Go. Oh, je le rate. Oh, il m'a tué. Allez, let's go. Let's go. It's over. On a tué le roi des zombies. Qu'est-ce que vous dites? Il est mort. Ouais. Il ne croit pas trop en fait celui qui en parle. On va passer un peu. On va skip. Ok. On va remettre la flash. La flashlight. Ok, on doit revenir à la voiture. Je pense que la voiture, elle est cassée. Ah non, c'est bon. Enfin bref. Merci d'avoir suivi la vidéo, c'est une courte vidéo les amis, c'est pour vous montrer plusieurs levels en même temps. Si vous voulez que je vous fasse une suite, dites-le moi en commentaire. Prenez soin de vous et puis moi je vous dis à la prochaine. C'était Jean-Paul Paille. Peace.